À mi-chemin, entre Québec et Trois-Rivières, à 5000 au nord du fleuve Saint-Laurent, dans le comté de Portneuf, on découvre une localité de 2600 habitants, réputée pour ses pierres de taille, Saint-Marc-des-Carrières. À Saint-Marc, en cette année, à Saint-Marc, en cette année, on s'est dit, on va fêter, on s'est dit, on va fêter, se rappelant, ce bon vieux temps, se rappelant ce bon vieux temps de nos 75 ans. Ah, 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 que la vie est belle, 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 que la vie est belle, 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 par chez nous, découvrant la pierre rêvée, découvrant la pierre rêvée, on a fait de gros chantiers. On a fait de gros chantiers pour que nos gars puissent travailler, pour que nos gars puissent travailler, tout en étant bien payés. Yeah, yeah, yeah. Ah, que la vie est belle, 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 que la vie est belle, 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 par chez nous, sur la rue tous les passants, sur la rue. Entrevoir les commerçants, car ils ont tout à votre goût, car ils ont tout à votre goût, pour faire dépenser les sous, 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 sous. Ah, que la vie est belle, 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 que la vie est belle, 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 par chez nous, comme le dit un vieil adage. Rien de plus beau que son village, rien de plus beau que son village. Il a grandi comme par magie, il a grandi comme par magie. Et avec tous les gens d'ici, si, si, si. Ah, que la vie est belle, 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 que la vie est belle, 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 par chez nous. À Saint-Marc chaque jour, à Saint-Marc chaque jour, fait l'envie des alentours, fait l'envie des alentours, car on sourit tous à la vie, car on sourit tous à la vie, et qu'il fait bon chanter ceci, si, si, si. Ah, que la vie est belle, 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 que la vie est belle, 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 par chez nous. Gérald Gignac, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'est lui qui dirige les champions des quadrilles de la province depuis 1973. Eh bien, imaginez qu'au siècle dernier, des pionniers découvraient des gisements de pierre à chaux qui devaient donner naissance à Saint-Marc-des-Carrières. Et ce soir, quelques-uns des sympathiques citoyens de cette localité du comté de Portneuf vont vous faire découvrir qu'ils ont su conserver vivant le riche folklore de leurs ancêtres dans la vraie tradition de nos soirées canadiennes. Eh bien, c'est avec eux que nous allons passer la prochaine heure. Et après M. Gignac, nous avons un autre personnage important pour nous faire sa chanson. Et certainement qui est important parce qu'il sait chanter. C'est M. Gilles Gravel qui va nous offrir sa chanson. C'est quoi? J'ai perdu ma femme. Oh, ça c'est dommage. On va essayer de la trouver. J'ai perdu ma femme, vie bang bang qu'elle est belle. J'ai perdu ma femme, il y a tant de jours. J'ai perdu ma femme, vie bang bang qu'elle est belle. J'ai perdu ma femme, en tant de jours. Si quelqu'un la trouve, vie bang bang qu'elle est belle. Si quelqu'un la trouve, je lui donnerai 5 sous. Si quelqu'un la trouve, vie bang bang qu'elle est belle. Si quelqu'un la trouve, je lui donnerai 5 sous. 5 sous par semaine. Bang bang qu'elle est belle, 5 sous par semaine, fait 20 sous par mois. 5 sous par semaine, bing bang bang qu'elle est belle, 5 sous par semaine, fait 20 sous par mois. J'ai eu la servante, bing bang bang qu'elle est belle, j'ai eu la servante qui guette chez moi. J'ai eu la servante, bing bang bang qu'elle est belle, j'ai eu la servante qui guette chez moi. Elle lave la vaisselle, bing bang bang qu'elle est belle. Elle lave la vaisselle, fait mon lit aussi. Elle lave la vaisselle, bing bang bang qu'elle est belle. Elle lave la vaisselle, fait mon lit aussi.
Ça fait mon affaire, bing bang bang qu'elle est belle. Ça fait mon affaire, puis la sienne aussi. Ça fait mon affaire, bing bang bang qu'elle est belle. Ça fait mon affaire, puis la sienne aussi. Je couche avec elle, bing bang bang qu'elle est belle. Je couche avec elle, puis le dimanche aussi. Un poil les orteils, bing bang bang qu'elle est belle. Un poil les orteils, puis d'autres choses aussi. Un poil les orteils, bing bang qu'elle est belle. Un poil les orteils, puis d'autres choses aussi. Ça fait son affaire, bing bang bang qu'elle est belle. Ça fait son affaire, puis il la mienne aussi. Ça fait son affaire, bing bang bang qu'elle est belle. Ça fait son affaire, puis la mienne aussi. Saint-Marc-des-Carrières se situe à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières, à 5000 au nord du fleuve Saint-Laurent, dans le comté de Portneuf. La paroisse tire une partie de son nom de la richesse du sol, lequel fournit une excellente pierre de taille. En effet, les pionniers découvraient au siècle dernier que le sol du quatrième rang de la seigneurie de la Chevrotière renfermait des gisements de pierre à chaux dont l'utilisation pouvait assurer une qualité exceptionnelle aux édifices où ils seraient employés. Aussi, ils envisageaient son exploitation comme la base d'une industrie intéressante et stable. Ils décidèrent donc d'ouvrir des carrières et de mettre sur pied l'industrie de la pierre de taille. On commença vers 1830 l'exploitation des premières carrières et l'industrie progressa à tel point qu'en 1901, il y avait 135 familles représentant 690 personnes regroupées autour des carrières et qui décidèrent de fonder leur propre paroisse. La même année, l'archevêque de Québec reconnaissait officiellement Saint-Marc-des-Carrières comme paroisse catholique du diocèse de Québec. Et en mars 1902, le gouvernement du Québec émettait les lettres patentes qui érigeaient la localité en municipalité de paroisse. De nos jours, Saint-Marc-des-Carrières compte 850 familles, soit une population de 2700 habitants. À l'industrie pionnière, se sont ajoutés des dérivés, tels que la chaux agricole et la pierre concassée. On y trouve aussi un important atelier mécanique, auquel est greffée une fabrique de chasse-neige de type industriel et de chenilles servant aux opérations forestières. C'est en plus d'une usine de montage de moteurs électriques, d'une usine de fer ornemental reliée à un atelier de fabrication de chasse-neige de type domestique et d'une manufacture de vêtements féminins. Saint-Marc-des-Carrières n'a rien à envier aux autres municipalités car toutes les infrastructures, tous les services fonctionnels sont présents. L'hôtel de ville abrite l'administration municipale. On compte aussi une école polyvalente équipée d'une piscine intérieure et d'un gymnase, le siège de la commission scolaire Grand Bois, un centre local des services communautaires ou CLSC, un centre professionnel, un centre médical, un centre d'accueil pour personnes âgées, une aréna ainsi qu'un terrain de golf. Par sa position géographique, au centre du secteur ouest du comté de Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières s'est transformé en un centre d'attraction où les gens de secteur, environ 15 000 personnes, ont accès à de nombreux services et produits de consommation. La population de Saint-Marc-des-Carrières est reconnue pour son dynamisme, sa vaillance et son esprit d'unité. C'est ce qui lui a valu de grandes réalisations que le visiteur est à même d'apprécier. On dit avec fierté qu'une visite à Saint-Marc-des-Carrières oblige à en faire une deuxième. Quand je l'envoie à la serre en carte ambassade, oh mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Voulez-vous jouer avec moi? Quand je l'envoie en l'air, c'est rock à ton bataille. Quand je l'envoie en l'air, c'est rock à ton bataille. Quand je l'envoie en bas, c'est rock à ta montant. Oh mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Quand je l'envoie en bas, c'est rock à ta montant. Quand je l'envoie en bas, c'est rock à ta montant. Si je l'envoie de côté, je peux pas m'y habituer. Ou oh, mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Si je l'envoie de côté, je peux pas m'y
habituée. Si je la mets de côté, je peux pas m'y habituer. Si j'aurai la main dure, j'aurai la main plus sûre. Oh mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Si j'aurai la main dure, j'aurai la main plus sûre. Si j'aurai la main dure, j'aurai la main plus sûre. Si je prendrai mes deux mains, peut-être qu'essayerai bien. Oh mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Si je prendrai mes deux mains, peut-être qu'essayerai bien. Si je prendrai mes deux mains, peut-être ça irait bien. Je sais que vous pensez mal, ce n'était rien qu'une balle. Oh mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Sauvageau, toute charmante avec sa petite balle. Merci beaucoup, Linda. Très jolie. Il y a M. François Nou aussi qui a son bout de refrain. Passez donc par ici, monsieur. Passez dans le haut côté. On aimerait ça vous entendre chanter. Qu'est-ce que vous chanteriez? Madame, madame. Madame, madame. On aime ça, les madame. Allez-y. Madame, madame. Un beau chapeau. Madame, madame. Un beau chapeau. Madame, un beau chapeau. Un beau chapeau, un beau chapeau. Puis oui, oui, oui. Puis oui, oui, oui. Et puis encore oui. Et puis encore oui. Puis yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Madame, madame, un beau collier. Madame, madame, un beau collier. Madame, un beau collier. Madame, un beau collier. Un beau collier. Un beau collier. Un beau chapeau. Un beau chapeau. Puis oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et puis encore oui. Et puis encore oui. Puis yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Madame madame, une belle blouse. 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 Une belle blouse. Une belle blouse. Un beau collier. Un beau collier. Un beau chapeau. Un beau chapeau. Puis oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis encore oui. Et puis encore oui. Puis yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop yop yop, tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Madame madame, un ceinturon. Madame madame, un ceinturon. Madame un ceinturon. Madame un ceinturon. Un ceinturon. Un ceinturon. Une belle blouse. Une belle blouse. Un beau collier. Un beau collier. Un beau chapeau. Un beau chapeau. Et puis oui, oui, oui. Et puis oui, oui, oui. Et puis encore oui. Et puis encore oui. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Madame, madame, une belle jeu. Madame, madame, une belle jeu. Madame, une belle jeu. Madame, une belle jeu. Une belle jupe. Une belle jupe. Un ceinturon. Un ceinturon. Une belle blouse. Une belle blouse. Un beau collier. Un beau collier. Un beau chapeau. Un beau chapeau. Et puis oui, oui, oui. Et puis oui, oui, oui. Et puis encore oui. Et puis encore oui. Puis yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez guère. Yop, 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 tire la bobinette. Vous ne m'attendez pas. Chenot, merci beaucoup. C'est très joli, votre petite bobinette. Vous la tirez bien. Vous la tirez bien. Merci. Merci beaucoup. Mes chers amis, tel que je vous l'annonçais au début, on a des champions ce soir à notre émission Soirée canadienne parce que il se trouve que les premiers champions que nous avons couronnés à la fête populaire de Soirée canadienne en 1973, au moment où on a célébré la 500e émission de Soirée canadienne, il se trouve que ces champions sont justement de Saint-Marc-des-Carrières et ils sont avec nous ce soir. C'est M. Gérald Gignac, qui en est le directeur, que vous avez entendu au début. Ce sont ces guélurons qui sont ici ce soir. Alors, on va les saluer, mais surtout, on va les regarder danser. Vous êtes prêts? Ah oui. Allez-y donc, en avant la musique. Thank you.
Milan, son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines, et l'anglais son muffin shop. Mais nous, on fait exception au diable importation. À part les patates, les patates à part, le ragoût de pain, la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore? Tour, la tourtière, qu'on savoure, fourre, tout entière. Quand c'est fête, ménagère, fête, des tourtières. Si vous voulez ma recette, c'est facile comme une omelette. Vous mettez dans une assiette des machins, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, vite ici toute la salière. Embrassez la cuisinière et mettez ça au fourneau. Mais pour faire du fla-fla, faut pas s'arrêter là. Pour casser le jeûne, il faut le jeûne. Le jeûne c'est quoi? Pour relever ce plat de choix. Tout d'abord, la dent en or de grand-père, de la part de tante Aurore, c'est jardinière. Et pour faire plaisir encore au beau-père, ajoutez la couenne de lard de la belle-mère. Que nous sertons la tourtière, jour de l'an que mange-t-on la tourtière, et au roi pour le gueuleton la tourtière, de la peau jusqu'au menton, de la tour, possédez une très jolie voix et vous vous en servez avec beaucoup de professionnalisme. Merci. C'était Mme Robert Légaré. Et maintenant, nous allons ici à la grande table ronde parce que nous avons les notables à vous présenter. Ça fait plaisir ici de retrouver un de mes bons amis, M. le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Alcide Rochette. Bonsoir. Bonsoir, M. Rochette. Mme Rochette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. On est heureux de vous avoir avec nous. On voudrait vous faire parler de votre municipalité, M. le maire. Ah, ça me fait plaisir. Ça rentre dans vos fonctions officielles, là. Absolument. Oui. Ça fait déjà un bon moment que vous occupez le poste de maire. En fait, je suis maire depuis 1967. J'étais déjà dans la fonction municipale depuis 1959 à titre d'échevin. Bon, alors ça veut dire que vous avez déjà une bonne expérience de ce côté-là. Ah oui. Vous avez vécu années. Toutes sortes d'expériences, sûrement, oui. Mais je pense que Saint-Marc a connu une expansion assez intéressante au cours des années de votre règne. Oui, même si Saint-Marc-des-Carrières est une paroisse relativement jeune, 75 ans, c'est jeune pour une paroisse, c'est une paroisse qui a progressé quand même assez rapidement. Et je voudrais souligner tout particulièrement depuis quelques années, alors que des réalisations très importantes ont été faites à Saint-Marc et ont donné un essor... ont provoqué un développement assez considérable. Il y a, par exemple, l'école polyvalente qui a été construite. Il y a un foyer pour personnes âgées, un centre local de services communautaires, un CLSC, et tout dernièrement, un aréna. Alors, toutes ces choses-là, ça a provoqué, comme je vous dis, des réalisations. Et en particulier dans deux domaines. D'abord, dans le domaine de la construction domiciliaire, parce que depuis trois ans, on a au-delà de 100 maisons qui ont été construites. Alors, c'est un développement considérable. C'est assez imposant. Et aussi du côté commercial, parce que ça a provoqué également l'installation de nouveaux commerces et des commerces importants. Et parce que Saint-Marc a quand même une vocation industrielle et commerciale importante. Oui, sûrement, avec les carrières à Saint-Marc, évidemment. On ne se passe pas des carrières. Maintenant, dans les projets, M. le maire, qu'est-ce que c'est qu'on peut signaler en particulier? Dans les projets les plus immédiats, il y a d'abord la construction d'un HLM d'une capacité de 25 loyers, dont 10 sont destinés aux personnes âgées et 15 pour les familles démunies. Et ça, on devrait avoir la mise en chantier au printemps 1977 au plus tard. Oui. Il y a aussi actuellement le Conseil de travail sur un problème de qualité d'eau.
Il y a un problème, non pas au point de vue bactériologique, parce que la qualité de l'eau à Saint-Marc est très bonne, mais au point de vue chimique. Il y a certaines particularités dans l'eau qui, à l'occasion, causent des problèmes aux ménagères. Alors, on étudie actuellement le projet, mais comme les coûts d'amélioration pourraient être extrêmement dispendieux, il faut bien étudier le problème pour poser les bons gestes. C'est ça, vous avez bien raison. Si vous disiez un petit mot des loisirs, je pense que de ce côté-là aussi, il y a des développements à prévoir. C'est-à-dire, du côté des loisirs, d'abord, disons qu'on est assez bien organisé. L'an dernier, nous avons créé un service de loisirs dans la municipalité. Nous avons également formé une commission de loisirs. Et je pense qu'on peut dire qu'à Saint-Marc-des-Carrières, les loisirs sont... les gens sont assez favorisés de ce côté-là. Puisque d'abord, à l'école polyvalente, il y a une piscine de 20 mètres. C'est quand même important. Importante. Il y a également un gymnase. C'est bien. Du côté municipal, bien, nous avons l'aréna. Et il va falloir s'arrêter là, par exemple. Là. Vous en mettez beaucoup, là. Vous en avez des réalisations. Beaucoup à dire, hein? Mais le temps passe et file. Ça prouve que vous en avez beaucoup de réalisations. Tiens, vous félicitez, monsieur le maire. On est obligé de s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. C'est très agréable de vous retrouver. De vous donner l'occasion, comme ça, de parler de votre Saint-Marc qui vous est très cher à toute la population du Québec. Merci beaucoup, monsieur le maire. Maintenant, on va vous présenter monsieur le curé, monsieur l'abbé Maurice Beauchemin. Bonsoir, monsieur Bidel. Ça me fait plaisir, monsieur le curé. Très agréable de vous avoir avec nous. Monsieur le curé, ça fait combien de temps que vous êtes à Saint-Marc? Déjà 4 ans. Je finis ma 4e année. Là, je commence ma 5e année avec le mois de septembre. Oui, puis vous avez l'air à vous y plaire. Et puis je dois vous dire que ça a passé comme un rêve. Tellement j'étais bien accueilli, tellement c'est chaleureux à Saint-Marc. Oui. On prétend qu'on dit ça un peu pour toutes les paroisses, mais j'ai passé par d'autres paroisses auparavant. Puis je crois que je peux le dire avec toute simplicité que nous sommes très heureux à Saint-Marc. Et puis depuis que je suis là, je pense que... je suis tout épanoui. C'est fantastique. Même si j'ai pas de ménagère. Vous n'avez pas de ménagère, là. Pas de vicaire. Pas de vicaire, vous êtes seul. Vous vivez seul. Seul. Oui. Bien, seul avec d'autres. Hein. Oui, évidemment. Vous avez toujours beaucoup de contacts avec les gens. On vient, je vais aller voir. Surtout, j'ai l'avantage de faire la visite paroissiale à Saint-Marc. Puisque dans les grandes villes, maintenant, comme à Québec ou ailleurs, c'est pas facile de faire des visites paroissiales. Mais à Saint-Marc, étant donné c'est une population qui est très homogène et très unie, ça me permet de rencontrer tout le monde, de vivre avec eux, puis de festoyer avec eux aussi. Invite pour le repas occasionnellement. Ça arrive quelquefois. Ça arrive. Étant donné que je mange souvent des mets congelés, des soupes en boîte. Vous êtes obligé de faire votre cuisine, monsieur le curé. De temps en temps, Puis faire votre ménage. C'est une cuisine très, très élémentaire, quand même. Mais vous avez l'air bien portant, quand même, Rougeau. C'est l'air de Saint-Marc, probablement. Ça peut être ça. Écoutez, monsieur le curé, on est obligé de s'arrêter là. C'est très sympathique de causer avec vous. Vous êtes très jovial, tout ça. Oui, un peu. Je comprends. Ça transpire. Voilà. Monsieur le curé, on vous remercie encore une fois d'être venu avec nous ici à notre soirée canadienne. On salue tous vos paroissiens. Et c'est puis. On va poursuivre avec d'autres chansons, qu'il y en a encore qui chantent. Écoutez, monsieur le maire, apparemment, fait des chansons. C'est un secret, mais on peut le dire ce soir. On peut-tu? Oui. Voulez-vous lui demander s'il ne nous fera pas une chanson? Monsieur le maire Alcide. Monsieur le maire Alcide. C'est un honneur. Monsieur le curé vous invite à chanter. J'ai jamais pu rien refuser. Non, on est donc contact. Quelle parole. Allez-y. Merci. Ben que ça c'est sur un tonneau, dit qu'il ne boira jamais d'eau. Ben que ça c'est sur un tonneau, dit qu'il ne boira jamais d'eau. Ni de puits, ni de fontaine, c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles. C'est du vin nouveau, faut vider les pots. C'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles. Le roi de France qui est l'empereur dit qu'il n'a jamais eu l'honneur. Le roi de France qui est l'empereur dit qu'il n'a jamais eu l'honneur. De boire de cette régalade, c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles. C'est du vin nouveau, faut vider les pots. C'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles. Pendant que les femmes et filles fileront, les hommes et les garçons boiront. Pendant que les femmes et filles fileront, les hommes et les garçons boiront. De ce divin jus de la treille, c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles.
c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles. Ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Le sommelier d'un air heureux invite tous les amoureux. Le sommelier d'un air heureux invite tous les amoureux. À s'en vider une rasade, oh, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles, oh, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles, ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Le grand Saint-Pierre au paradis, voyant arriver ses amis. Le grand Saint-Pierre au paradis, voyant arriver ses amis. Offre la divine limonade, oh, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles, oh, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles, ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Il fallait pas être de vin pour proclamer que c'est le vin. Il fallait pas être de vin. Qui réjouit le cœur de l'homme, ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles, ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. Ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les bouteilles, ah, 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 c'est du vin nouveau, faut vider les pots. C'est une très belle chanson, monsieur. Très bien, très bien. Merci. Monsieur Joseph Gravel qui vous a envoyé sa petite gigue. Et moi, j'en profite ici pour présenter les musiciens. Au violon, c'est Monsieur Jean-Marie Laframboise. On va saluer. Bonsoir, Monsieur Laframboise. L'accordéon, Monsieur Robert Nau. Bonsoir, Monsieur Nau. Puis un autre, Monsieur Laframboise, qui joue la guitare, Monsieur Léo Laframboise. Vous êtes parents, tous les deux? Oui, les deux frères. Ah, les deux frères. C'est dans la famille, la musique. Oui, parfait. Vous faites bien ça. On vous remercie. Il y a une toute petite demoiselle, Solange Nau, qui a préparé sa chanson. Bonsoir, Solange. Ça va bien? Oui. Quel âge as-tu, toi? J'ai 13 ans. 13 ans. Qu'est-ce que c'est ta chanson? La veillée rustique. La veillée rustique. On y va. Mon père aussi, ma mère n'a avec que moi d'enfant. Mon père aussi, ma mère n'a avec que moi d'enfant. N'avec moi d'enfant, la destinée là aux bois. N'avec moi d'enfant, n'avec que moi d'enfant. N'avec moi d'enfant, n'avec que moi d'enfant. C'est pas l'affaire des filles d'âge. Solange Nau. Maintenant, j'aurai un personnage à vous présenter ici qui a fait un gros travail. Il termine à peu près ce soir. Ça fait un bout de temps déjà, de quasiment un an, me dit-il, qu'il travaille pour le 75e anniversaire.
de Saint-Marc des Carrières, le président de l'organisation, le docteur Antoine Dussault. Bonsoir, docteur. On peut-tu vous faire parler un petit peu de vos célébrations, docteur? Oh, monsieur, ça me fait plaisir. Ça fait déjà quasiment un an, vous me disiez. Oh, ça fait près d'un an. On a commencé ça au mois de... Ben, ça fait un an. On a commencé au mois d'octobre l'année passée. Bon, c'est ça. Alors, nous avions, en fêtant les 75 ans de Saint-Marc, comme objectif d'en faire la fête du souvenir, la fête de la fraternité et la fête de la fierté. Bien, la fierté régionale. C'est un bel objectif. Et ça. Avec ces objectifs-là, ben, on a axé notre travail sur deux thèmes importants, soit notre passé et nos réalisations. Je dois vous dire que les fêtes ont été un succès, les gens ont beaucoup participé. La collaboration a été splendide, la collaboration des gens du village et surtout des gens au niveau des comités. Il y a une centaine de personnes qui ont travaillé pendant tout ce temps-là bénévolement. C'est quelque chose de remarquable. Oui. Ça demande beaucoup de détermination et de courage. Et enfin, pour couronner tout ça, nous avons décidé au comité historique de faire un livre-souvenir que j'ai dans les mains, qui raconte l'histoire de Saint-Marc. On va le montrer, ce magnifique livre. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de photos, c'est très intéressant. Maintenant, il me ferait plaisir, au nom du comité et au nom de Saint-Marc des Carrières, de vous en faire cadeau. C'est le premier volume qui a sorti de la reliure. Je suis vraiment ému. C'est formidable. D'abord, on sait que j'en fais la collection. Que ce soit le premier qui sort de la reliure, c'est un honneur pour moi de le recevoir. Je le reçois avec beaucoup de plaisir et de satisfaction et je tiens à vous en remercier. Et puis, bravo pour le magnifique travail que vous avez fait pour faire un succès des fêtes du 75e anniversaire de Saint-Marc-des-Carrières. Vous méritez l'admiration de tous vos concitoyens. Merci beaucoup, docteur. Bien aimable. Merci. On aimerait entendre maintenant une chanson par M. Michel Légaré qui se trouve dans le coin là-bas. M. Légaré, approchez-vous donc. On aimerait vous entendre. Qu'est-ce que vous chantez, M. Légaré? Passant par Paris, bidon la bouteille. Ben, on va passer à Paris avec vous. Okay. Allons-y. Passant par Paris, bidon la bouteille. Passant par Paris, bidon la bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille, bon, 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 le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Un de mes amis me dit à l'oreille. Un de mes amis me dit à l'oreille. Prends bien garde à toi, l'on courtise ta belle, bon, 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 le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Prends garde à toi, l'on courtise ta belle. Prends bien garde à toi, l'on courtise ta belle. Courtise qui voudra, je me fie en elle, bon, 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 le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Courtise qui voudra, je me fie en elle. Courtise qui voudra, je me fie en elle. J'ai eu de son cœur la fleur la plus belle, bon, 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 le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. De son cœur la fleur la plus belle. J'ai eu de son cœur la fleur la plus belle. Dans un beau lit blanc, grillé de dentelle, bon, bon, bon. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Merci. 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 Réjouissons-nous, chantons, malheureux, magnifique à tout vaincre. Réjouissons-nous, chantons, malheureux, magnifique à tout vaincre. Le curé de Saint-Marc m'a dit, qu'avez-vous fait, mignonne? Mon père, le seul péché que j'ai fait, c'est d'aimer trop les hommes. Réjouissons-nous, chantons, malheureux, magnifique à tout vaincre. Réjouissons-nous, chantons, malheureux, magnifique à tout vaincre. Mon père, le seul péché que j'ai fait, c'est de
métro les hommes. Ma fille, pour ce péché-là, il faut aller à Rome. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Ma fille, pour ce péché-là, il faut aller à Rome. Mon père, si je vais à Rome, faut-il que j'emmène mon âme. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Mon père, si je vais à Rome, faut-il que j'emmène mon âme. Embrassez-moi sept ou six fois, votre péché, je vous le pardonne. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Embrassez-moi sept ou six fois, votre péché, je vous le pardonne. Mais de cette pénitence-là, n'en parlez à personne. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Mais de cette pénitence-là, n'en parlez à personne. Car si le monde le savait, j'aurais bien trop de besogne. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Réjouissons-nous, chantons malheureux, magnificat au peuple. Vous avez reconnu le curé, j'en suis convaincu, M. Légaré. Merci. La pénitente, c'est Mme Dufresne. Bravo. Oui, la belle pénitente. Merci. Merci pour la chanson, c'est très joli. Nous allons rencontrer maintenant les doyens, M. et Mme Maurice Gardiépi. Ah. Bonsoir, M. Gardiépi. Bonsoir. Vous aviez hâte que ce soit votre tour, là? Ben, je commence à... Oui? Madame Gardiépi, bonsoir. Madame Gardiépi, vous n'êtes pas très, très âgée. Vous êtes encore toute radieuse, toute resplendissante. Quel âge avez-vous? J'ai 76. 76 ans? Seigneur de la vie, on vous donne jamais ça. Jamais. Vous n'avez eu soin, c'est effrayant. Il n'y en a pas pour en avoir eu soin comme moi. Non? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai rien que 83. Oh, rien que 83. Ça, je l'aménage, hein? Oui, je comprends. Mais j'aimerais ça vous entendre raconter des choses de votre passé. J'aimerais bien ça. Quand on... D'abord, on ne restait pas à Saint-Mac. On restait à Rivière-Blanche, à 5000 de là, dans le même rang. Ah bon? Et puis, oui. On s'est rencontrés. J'attendais qu'à l'Aiglage. Ah oui? Ben oui. Ah, c'est ça, vous aviez déjà de l'avantuelle, vous. C'est pour ça que je suis plus vieux. Ben oui. Le choix est parti, puis il fallait que j'attende, pour trier. Ah! Fallait trier. Fallait que je trie. C'est important, ça. Vous avez bien trié? Ah oui. 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 On a bien travaillé. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans ce temps-là? Cultivateur. J'étais cultivateur. Ah, oui. Mais vous étiez comme ça, dans le même rang? Dans le même rang. Alors... Et moi, ben, on avait acheté une terre à Saint-Mac. Oui. Et puis là, ben, on s'est envenu à Saint-Mac. Je l'ai marié, elle avait 20 ans. Puis vous, à ce moment-là, vous aviez 27 ans. 27 ans. 27 ans. Ah, 27 ans. Je suis pas mal vite sur le calcul, hein? Bon, parce que je vous l'ai dit. Ouais. Puis la famille, vous avez plusieurs enfants? Ah, oh, rien que trois. C'est pour ça que je l'ai ménagé, puis qu'elle paraît pas vieille. Oh, rien que 13, on sait bien. On sait bien. On a ça. Vous avez plusieurs petits-enfants? 37. 37 petits-enfants? 37. Oui. Mais vous laissez... 7 arrière-petits-enfants. 7 arrière-petits-enfants. C'est elle qui tient la comptabilité. Ah oui. Oh, j'ai donné ce job-là. Oui. Vous prenez un job facile. Ah oui, facile. Ouais. Facile. Mais qu'est-ce que vous faites, là, de vos grandes journées? Ah, là, qu'est-ce que je fais? Là, ma terre à Saint-Marc, je l'ai vendue à mon garçon. Bon. Et puis, j'ai pas encore arrêté. J'y vais soir et matin. Ouais. 5h30, je suis dans la table. Arrêtez donc, là, vous. Vous nuisez pas toujours. Ah, vous vous dites non. Qu'est-ce que vous faites, là, qu'est-ce que je fais? J'arrive, là, puis je fais laver la ligne, là, pour tirer les vaches. On tire. C'est tout mécanisé à présent. Ben oui, c'est mécanisé. Ça s'en vient d'un bon temps, puis tout. Oui, oui. Je fais laver ça. Mon garçon n'est pas matinal comme moi. Il ne tient pas de moi. Non, il ne tient pas de vous. Non. Non. Mais peut-être que vieillissant, il va devenir matinal. Oh, jamais. Non, jamais. Pas lui. Si j'étais comme lui, je serais peut-être bien pas plus. Non. Lui, il est dormeux, puis moi, je suis pas dormeux. Bon, à 4h30, je suis réveillé. Comme je me couche à 1h, c'est bon, pas de différence. Comme un horloge. Un horloge. 4h30. Debout. C'est notre réveil matin. Oui? Il n'a pas besoin de réveil matin non. Chez lui. Ils disent à telle heure, ouais, je l'ai réveillé. C'est ça. Faites le tour, vous réveillez les autres, tirez les orteils. Ouais. Ouais. Là, ben, à l'étable, là, je donne les moulets, puis j'ai des veaux que je fais boire. Oui. Puis je soigne les vaches. Ah oui.
Ça fait que... Ça passe le temps. Ça passe le temps. Ben oui, puis le temps passe tellement vite qu'on est déjà fini. C'est ça. Ça va trop vite? Oui, hein? C'est bien de valeur. Ben écoutez, ça nous a été bien agréable de vous avoir avec nous. Vous avez une bonhomie fantastique. Ça a été amusant. On vous remercie d'être venu. On vous souhaite longue vie, de même qu'à Mme Gariépy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez une petite fille ici, hein? Vous avez une de vos filles ici qui chante, là. C'est Josée. C'est celle-là, là-bas, là? La fille de Raymond. Ah, c'est la fille de votre fils Raymond. On va la faire chanter. Elle chante bien. La voici, Josée. Chez nous, la musique est porte en pratique. Chez nous, la musique est porte en pratique. Pierre au jour du violon. Pierre au jour du violon. Pierre de l'accordéon. Pierre de l'accordéon. Bonhomme de la clarinette, le bonhomme de la clarinette. Bonhomme de la clarinette, le bonhomme de la clarinette. Chez nous, la boulange est forte en mélange. Chez nous, la boulange est forte en mélange. Pierre, on pèse le levain. Pierre, on pèse le levain. Pierre, elle boulange le pain. Pierre, elle boulange le pain. Bonhomme fait de la galette, le bonhomme fait de la galette. Chez nous, la promenade est fort agréable. Chez nous, la promenade est fort agréable. Pierre au fournil baguet. Pierre au fournil baguet. Pierre au fournil bonnet. Pierre au fournil bonnet. Pile bonhomme sans fouette. Pile bonhomme sans fouette. Pile bonhomme sans fouette. Pile bonhomme sans fouette. Chez nous, le tissage est fort en usage. Chez nous, le tissage est fort en usage. Pierrot sur le métier. Pierrot sur le métier. Pierre est sur le dévidouin. Pierre est sur le dévidouin. Bonhomme passe la navette. Le bonhomme passe la navette. Le bonhomme passe la navette. Le bonhomme passe la navette. Chez nous, on s'amuse. La chose en est sûre. Chez nous, on s'amuse. Pierrette joue du bingo. Pierrette joue du bingo. Pierrot joue du yo-yo. Pierrot joue du yo-yo. Pile bonhomme du moine. Pile bonhomme du moine. Pile bonhomme du moine. Pile bonhomme du moine. C'est déjà le moment de terminer cette petite soirée qui a été tellement agréable. Je voudrais ici souligner le travail qui a été fait par M. Claude Frenette, qui a été l'organisateur de cette soirée. M. Frenette, on vous félicite et on vous remercie du travail que vous avez accompli. On en a vu les résultats. Si vous voulez apporter cette photo souvenir de votre groupe en nous quittant, gardez-la comme le gage de notre appréciation pour le magnifique travail que vous avez accompli et vous apporterez en même temps les micro-sillons de soirée canadienne. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, on va terminer tout ça par la danse. Ceux qui doivent danser, approchez-vous donc. Moi, je voudrais remercier M. le maire Rochette qui a composé le texte qu'on a entendu pendant le film. Vous pouvez passer. Et je voudrais remercier M. Albany Arcan, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a quand même fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Eh bien, nous devons mettre fin ici à notre soirée canadienne. Ce soir, nous avons accueilli une charmante et dynamique délégation de Saint-Marc-des-Carrières dans le comté de Portneuf. Soirée canadienne vous revient la semaine prochaine avec une autre visite dans une de nos belles municipalités québécoises. J'espère que vous serez des nôtres. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique.